conformément à la vision de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, nous sommes heureux d'inaugurer aujourd'hui le premier centre Massari, un centre pour la réinsertion des jeunes. Je profite pour remercier l'ensemble de nos partenaires du secteur public et privé, donc la province de Médiouna, l'INDH, le ministère de l'Éducation nationale, avec son programme d'école de la deuxième chance où on s'inscrit pleinement, l'OFPPT et l'ANAPEC, et également les acteurs du secteur privé qui nous accompagnent pour recruter les jeunes qu'on forme dans ce centre et la société civile. C'est grâce à l'ensemble de ces partenaires du public et du privé que toutes les formations qui sont données aujourd'hui dans ce centre sont entièrement gratuites pour les jeunes. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui au Maroc, un tiers des jeunes sont considérés en marge de la société, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni sur les bancs de l'école, ni en situation d'emploi, ni en formation professionnelle. C'est ces jeunes-là qu'on espère attirer dans notre centre pour les réinsérer dans la société marocaine. Alors, ce premier centre est un centre pilote avec une démarche innovante qui s'appuie sur trois leviers. Le premier, c'est l'accompagnement psychologique. Pour nous, c'est un élément très important parce que très souvent, ces jeunes sont complètement démotivés, ne croient plus en leur avenir et il faut leur redonner foi et confiance en eux. Il y a également des activités culturelles et sportives qu'on leur donne dans ce centre pour leur réapprendre à vivre en communauté. Et bien évidemment, le troisième levier, c'est la formation professionnelle en elle-même. Sur ce volet-là, on a une démarche innovante où on sécurise d'abord l'emploi avec des recruteurs potentiels qui s'engagent avec nous pour recruter les jeunes et on leur forme les jeunes en fonction de leurs besoins pour garantir aux jeunes qu'après leur formation, ils vont être en mesure de retrouver un emploi. Nous sommes très honorés aujourd'hui de lancer l'école Deuxième Chance Nouvelle Génération, Massari, en partenariat avec la province Médiouna et la Fondation Saham. Il s'agit d'un projet qui donne une seconde chance aux jeunes en décrochage scolaire entre 13 ans et 19 jusqu'à 22, 24 ans pour permettre à ces jeunes-là, à travers une formation pédagogique, de se réintégrer au sein du système éducatif normal ou alors à travers une formation professionnelle, à travers une coloration métier, leur donner la chance de s'intégrer donc progressivement sur le marché de l'emploi ou éventuellement créer leur propre entreprise à travers un accompagnement personnalisé que l'école Massari offre donc à ces jeunes-là à travers les coachs donc de l'OFPPT et les coachs de l'ANAPEC et également les enseignants de l'éducation nationale. Donc c'est un travail d'équipe qui va permettre de donner une seconde chance pour la réussite aux jeunes en décrochage scolaire.